Le pétrole. Au Sénégal, il y a les deux premiers matchs des éliminatoires. On va aller vers la du moins c'est le prochain. Même s'il y a au match qui est prévu, si le plan de la préparation de sélection se gagne en bleu, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de matchs. Comment comptez-vous remédier à tout ça? Écoutez, je pense que par rapport à la préparation, on le sait, hein, c'est le calendrier international lui-même qui fixe ses règles. Et aujourd'hui, on se rend compte que les équipes qualifiées, en tout cas les équipes africaines, n'ont pratiquement pas d'espace pour organiser les matchs. Au jour d'aujourd'hui, en septembre, pour une fenêtre de 8 jours à peu près, nous aurons deux matchs d'éliminatoire de CAN. Il sera presque difficile, voire impossible de jouer encore un autre match amical. Déjà en 15 jours, ça a été difficile pour certains, à peu près en 8 jours. Donc, c'est toute l'équation de la préparation des équipes africaines qui se pose. En novembre, certainement, avec l'approche de la Coupe du Monde, nous aurons suivre un match. Maintenant, sur le mois de septembre, on est en train de voir. On ne peut pas trop s'engager parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'utiliser ces matchs éliminatoires comme des matchs de préparation, mais on sait aussi qu'on joue contre des adversaires qui ne seront pas ceux qu'on jouera à la Coupe du Monde. C'est un vrai drame cornélien pour toutes les équipes africaines. J'espère que les autorités qui gèrent le football en tiendront compte, parce qu'il faut le dire aujourd'hui d'emblée, pour la prochaine Coupe du Monde, les équipes africaines sont lésées. Merci. Voilà, merci.